Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Théora, à Bordeaux, pour vous faire gagner un nouveau défi des 100 jours, le tout nouveau défi des 100 jours. Il y a une ou un d'entre vous qui allait gagner un de mes cahiers. Alors là, on est en plein dans l'univers du défi des 100 jours, hein. Vous voyez la vie extraordinaire qui est ici. Le tout dernier pour se libérer de son rapport à l'argent. Alimentation consciente avec Arnaud Rioux. Et puis très bientôt, le fameux mission de vie sera là aussi. Et puis alors, ce que j'adore, je vais vous montrer. Je vais vous emmener dans ce tout nouveau magasin à Bordeaux. Là, on est près de Mérignac. Là, c'est le bonheur pour ceux qui s'intéressent à ces sujets. Et regardez ce qui est là. Les petits œufs d'Yoni. À Bordeaux. Je vais vous présenter Julie aussi qui est là, qui grâce à elle, eh ben, il y a toutes ces beaux... Regardez-moi ces rayons. C'est quand même magnifique. Oh. Développement personnel. Alors on en reconnaît des auteurs. Neurosciences, oui. Art thérapie, relaxation et yoga, méditation. Regardez tout pour les enfants. Si c'est pas chouette ce magasin, le bonheur absolu. Développement de l'enfant, éveil jusqu'à éveil des consciences. Alors là, vous allez reconnaître certains de ses livres. Hein. Les fameux livres de Dolores Cannon. Chouette ça. J'ai interviewé aussi là. Elle est là. Message des anges. Alors, à qui vais-je faire gagner ce défi des 100 jours? Ah, c'est pas la même heure que d'habitude là. Je vous ai surpris sur ce coup là. Je le sens bien. Qui va gagner un petit défi des 100 jours? Cultura Mérignac. Oui, alors là, on n'est pas dans Cultura Mérignac, mais on n'est pas très loin. On est à Théora, qui est un tout nouveau magasin. Mais en effet, ils sont aussi chez Cultura. Pas les œufs. Pas les petits œufs de Lilou. Ils sont dans plus en plus d'endroits. Mais pas à Cultura, je ne pense pas. Je tente ma chance, dit Blandine. Grande joie de gagner ce défi, dit Alexandra. Belle boutique, magnifique boutique en effet. Ça a l'air sympa aussi ce petit oreiller là. Ça me plaît ça, un petit oreiller. Pas mal ça. Notre amie Zalou qui est là, qui était là il y a quelques jours pour signer ses livres. Petite salle de conférence. Alors, à qui vais-je offrir ce défi des 100 jours? J'ai de la chance, je tombe sur un direct même à 7 heures. Oui, tout à fait, parce que là, c'est vraiment spontané. Hein. C'est pas l'heure d'habitude sur laquelle je le fais, mais là, puisque j'étais à Théora. Alors, je fais une petite pause dans les dédicaces. Ce serait une grande joie de gagner le défi. Pas que je mette les pieds là-bas, mon portefeuille n'acceptera pas, tu le fais moi non plus, ça craque dans tous les sens. Tu peux même faire tes cosmétiques, t'as les pierres, t'as tout là. Très très belle. Caverne d'Ali Baba, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, ça donne envie. Et ben, je vais faire gagner à Ophélie Camélia, voilà, tu as gagné le défi des 100 jours, le tout nouveau défi des 100 jours qui sort le 9 janvier, tu vas le recevoir
avant tout le monde. Je vais faire la petite dédicace, ça se trouve même cet après-midi, on va te l'envoyer. Là, on a expédié les tout premiers, ceux qui ont gagné, je crois, aujourd'hui. Là, il sera bientôt ici, avec les autres. Et en attendant, je vais t'expédier tout ça. Est-ce que je vais retrouver Julie pour vous présenter Julie? Parce que Julie est par là, Julie Boost, qui travaille ici, qui est une co-créatrice, qui est top. Si vous voyez Julie, vous lui faites un petit coucou, parce qu'elle est top. Si elle est là, mais elle est occupée, Julie. Coucou, Julie. On va pas la déranger avec des clients. Bon, Lydie, je suis co-créateur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye de Théora. Ciao.